devons pas essayer de nous tenter. Nous devons éviter, nous devons éduquer et aussi conscientiser toute la population pour qu'ils nous capables vraiment faire nos pays progresser et faire de sorte que ça pas de substance qui est nocive pour la santé, les bannir dans la société. Vous pensez que ça déjeunesse qui dans la drogue hier ou avant-hier là, vous avez content de temps nous ici, mais malheureusement, alors moi là c'est pour dire bonne jeunesse, oubliez cette affaire là, viens dans le bon chemin, viens dans le sport, viens dans tout ce qui est meilleur et aide-nous pour ça. Moi pas trop, moi pas capable d'accord avec Bandimoun qui peut acheter, trouver qu'ils sont ouverts à une suggestion, la décriminalisation, la drogue, c'est Bandimoun qui peut finir nos sociétés. Et qu'il finit nos sociétés pendant 10 bonnes années. Et à cette période réflexive face au règne politique de la drogue. D'espérer une commission d'enquête sur la drogue pour finir une fois avec sa fléau là. Nous trouvons à l'emploi qui savent gagner la vie des élèves, ils sont concernés par ça. C'est pour ça que nous l'avons aujourd'hui. Je me trouvais il y a quoi carré, la gare Rose-Hill. Non, ça peut détruire nous, mais comment les menaces des 3 enfants, ils finiront dans mental et n'est pas bon. Je trouve que c'est bien ce qu'on a fait. Et je pense que maintenant, les jeunes vont se réaliser que la drogue synthétique, ben, c'est pas bien pour eux. Et toi-même, tu connais des gens qui ont déjà consommé ça? Personnellement, j'ai quelques amis qui en ont consommé. Et malheureusement, il y en a un qui est décédé. Ben, ça m'a tellement attristé. Donc je suis là pour soutenir aujourd'hui. Ça peut tous marrer beaucoup dans l'île Maurice. Ben, on peut dans ma cité, mais c'est pas juste dans ma cité, c'est partout. Probablement non. Et même si ce diamant, c'est aussi mon objet non. Parce qu'ils m'ont trouvé que ça peut rendre beaucoup d'aînés dans mari dans bête. Beaucoup n'a tout le monde c'est quoi, tu vois, c'est comment tu. Ah c'est cette envie mauvaise, ça c'est cette affaire aux autres. Déjà, nous comprenons la souffrance de différents parents qui, quand même, ont une perte des enfants. Il y en a qui sont décédés, ou bien il y en a qui sont hospitalisés pendant un bon bout de temps. Et la souffrance que les parents gagnent pour ça, bon, nous, avec tous nos 1000 élèves et plus, nous avons autant de parents. Et qui nous a dit, nous souhaitons épargner les autres de ce problème-là. Nous sommes aussi interpellés par les old boys. Ben, anciens élèves du collège qui dans la force policière par exemple et qui sur le terrain, nous avons un sergent de police qui sur le terrain, ils trouvaient comment dans le quartier, nous étions à Rose-Hill, à la gare, dans les autres endroits environnants, comment ça fléau-là peut taper. Et quand ils trouvent ça man jeune là, ceux qui anciens élèves du collège New Eton, ils disent ben, il y a le risque qui ça facilement rentre dans le collège et bien faire quelque chose. Et là, je commence à venir à l'école, je dis à nous, bon, j'ai plus envie de donner un coup de main, la police peut donner un coup de main, mais la police, seulement pas possible. Alors, nous disons, ben, pour protéger nos enfants, et d'ailleurs, encore le rôle de l'enseignant, c'est l'éducateur, c'est effectivement pour protéger les enfants, comme le protecteur. Donc, nous accueillons cette idée-là, d'où aujourd'hui, nous avons ça qui la marche que nous voulons trouver. Mamba, avec toi qui tu étais, est-ce qu'il a donc synthétique à bout, ça, Manzenesla? Dis non!